Ok Marie, alors Klaxoon c'est quoi en quelques mots? Alors Klaxoon c'est une entreprise qu'on a lancée il y a 3 ans avec sa solution éponyme. C'est une solution qui aujourd'hui, on vient de l'apprendre aujourd'hui, est utilisée par 1 million d'utilisateurs dans plus de 120 pays. Et en fait c'est une solution qui améliore radicalement l'efficacité du travail en équipe. Pourquoi on a lancé Klaxoon? On a fait un constat. On passe énormément d'années en réunion, on y passe 16 années. 70% du temps, on fait autre chose que d'être concentré autour du sujet de la réunion. Donc du coup, on a créé une suite d'applications collaboratives qui va permettre à une équipe, chaque jour, d'en faire plus et de travailler plus efficacement. Comment ça fonctionne? Eh bien, les collaborateurs prennent ce qu'ils ont sous la main, un smartphone, une tablette, un ordinateur. Ils se connectent à Klaxoon via le web. Il n'y a rien à installer, il n'y a rien à télécharger. Et instantanément, dans un groupe, vous allez pouvoir partager vos idées dans des brainstorms, des nuages de mots, des sondages, des votes, toute une suite d'applicatifs pour être plus efficace en équipe chaque jour. Et donc, c'est-à-dire qu'on a parfois des ressources qui sont très intelligentes, qui ont beaucoup de propositions, mais qui sont un peu timides et qui n'ont pas envie de participer. Donc ça, ça leur permet de brainstormer avec tout le monde sans qu'ils aient besoin d'avoir un bagou monumental. Exactement. En fait, ce qui se passe dans les réunions, c'est que c'est souvent les gens qui sont très à l'aise avec le fait de prendre la parole qui vont parler. Et en fait, les personnes qui sont un peu plus timides, les personnes un peu plus introverties, en fait, elles vont avoir des idées, mais elles vont se dire « Ok, si je donne mon idée, comment elle va être accueillie ? Et si jamais quelqu'un rebondit et que je ne sais pas argumenter, comment je vais faire ?» Donc en fait, elles s'auto-censurent et elles ne vont pas venir donner leurs idées. Et il y a des gens qui ne parlaient pas, eh bien parce qu'ils ont posé leurs idées par écrit, parce qu'il y a eu une acceptation de ces idées, eh bien elles reviennent en fait dans la discussion. Et du coup, on construit un groupe qui avance ensemble, un groupe qui travaille plus efficacement et qui va ensemble, du coup, eh bien, arriver à faire ses projets, à faire ses missions et arriver à avoir des succès ensemble. Alors, dernière question, ça ne sert pas seulement à un outil collaboratif en entreprise, ça peut servir aussi dans de grandes conférences, lorsqu'on a de grands congrès et que, bah, voilà, on s'adresse à 500, 1000 personnes. Et là, comment ça fonctionne? Alors, je vais vous montrer une activité, justement, qui fonctionne bien, à la fois sur des groupes de 10, 12 personnes et sur des groupes, comme vous le dites, de 500, 1000 personnes. C'est ça qui est très intéressant. Là, vous êtes dans un meeting. Un meeting, c'est quoi? C'est ici quelques planches, d'accord? Donc, quelques contenus que vous avez. Mais surtout, c'est des activités que l'on va proposer aux participants pour interagir, comme vous venez de le dire. Je vous en montre un ici qu'on a lancé depuis le début de VivaTech à nos clients, qui est le travail en équipe. Eh bien, donnez-moi un mot qui représente le travail en équipe. Alors, quand vous êtes connecté en tant que participant, ça, c'est l'animateur. Sur la tablette, vous avez le participant. Il retrouve la même question. Il va l'ouvrir. Et là, on va lui proposer de participer. Moi, je suis l'animateur, donc moi, j'ai ça. Alors, quel mot de travail en équipe pour vous? Partage. Partage. Allez, partage. Ah non, mais ça, c'est moi ce que je vois. Je réagis en animateur. Ah, alors vous. Moi? Oui, pour vous. Fatigue. Oh, non, le travail en équipe pour vous. Hein? Fatigue? Fatigue, ouais. Allez. Fatigue. Quand est-ce qu'on mange? Donc, regardez, le mot est là. Je l'envoie. Et automatiquement, il va venir arriver ici. On va le chercher. Fatigue. Ce qui est incroyable, c'est que ici j'ai la représentation des mots de tout le monde, mais ici, quand je suis participant, je peux aller voir toutes les idées des gens. Et donc, je vais pouvoir liker, déliker des mots, les mots vont venir grandir. Ce qui est génial, c'est que quel que soit le nombre de personnes que vous êtes dans un auditoire, en moins d'une minute, vous avez un feedback, vous avez un retour, vous avez l'opinion du groupe, et du coup, l'animateur, eh bien, il peut s'adapter. Il peut dire « Super, je vois que votre vision, c'est ça », et il enchaîne sur autre chose, il donne du lien. Donc ça vous permet de faire de la réunion créative, de la réunion projet, de la réunion hebdomadaire. Dès que vous avez besoin de poser visuellement vos idées, vous posez un brainstorm et vous l'ouvrez avec d'autres personnes pour collaborer plus efficacement. Merci. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui ici à VivaTech, à Porte de Versailles à Paris. On se retrouve très vite. En attendant, n'oubliez pas de retrouver Osez l'Avenir version radio sur Atlantique tous les jours avant les journaux de 8h30, 12h30 et 19h30. À très vite dans Osez l'Avenir.